Et là, on passe à la communauté. La communauté, bien entendu, pour la communauté, le truc le plus important à dire, c'est que il faut, c'est pas tout le monde qui peut faire une communauté. On ne peut avoir une communauté qu'à partir de 1000 abonnés. À ce moment-là, vous avez le droit de créer votre communauté sans aucun problème. Dans la communauté, vous allez, on va pouvoir vous demander tout ce qu'on veut, parce que voilà, il n'y a que vous qui pouvez parler. Mais vous recevez par exemple des questions, et puis vous répondez là-dessus. Et comme vous le faites, vous allez bien entendu être liké ou pas, et puis vous allez être commenté. Donc là, dans la question quel est votre guilty pleasure, une chaîne que vous aimez, mais avec un peu honte de regarder sur YouTube, ben voilà, il y a des gens qui ont répondu à la question, qui ont commenté la question, et c'est très bien parce que avec cette méthode-là, vous pouvez quand même communiquer avec les gens d'une façon beaucoup plus intime. C'est caché dans un endroit que tout le monde ne voit pas, et puis on peut développer énormément de choses. Et ça va bien entendu par type de question, parce que si, par exemple, il y a une question très très importante, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de monde qui vient ici, et ça va faire un truc, un style de forum. Vous voyez l'avantage que vous présente YouTube pour dans ce cas-là. Ok, donc je reviens moi vers la communauté. Et la communauté, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez relancer les gens d'une autre manière, et tout ça et tout ça. Ok. Et bien entendu, il y a un truc que lui, il a fait. Ben, je vais décocher ça. Il y a des questionnaires que vous pouvez faire. Il n'y a pas seulement des questionnaires, il y a des quiz, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Et là, à ce moment-là, il y a une semaine apparemment, il a lancé cette question. Vous filmez vos vidéos YouTube avec quoi? Avec téléphone ou avec caméra? Vous voyez? Alors, moi qui téléphone, bon, quand je lis ça, bon, j'utilise le téléphone parce que moi je suis amateur plutôt que professionnel. Les professionnels, bien entendu, ils vont cocher ça ici, mais moi je suis là, hein, ou bien les gens qui ont du pognon pour acheter du matériel sophistiqué, non, moi j'ai seulement un téléphone, c'est tout. Je clique et je me trouve parmi carrément presque 80 personnes contre 20 personnes avec les caméras. Donc ça c'est très important parce que vous allez avoir une idée sur ce que le marché représente. Ok? Donc il y a autant d'autres trucs qu'il lance. Vous regardez toutes mes vidéos, c'est très bien ça. Et ou celles que dont le sujet vous parle uniquement. Bon, moi, je ne vois pas toutes les vidéos, mais je vois seulement des sujets qui m'intéressent. Je clique ici, donc on est 88% à regarder seulement ce qui nous intéresse chez lui, contre 12%. Ça, c'est des gens qu'on peut peut-être qualifié comme très 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 fan, des gens qui ne sortent jamais de chez lui, ou bien c'est des touristes, des gens qui regardent et puis qui s'en vont. Ben voilà. Donc il y a autant de trucs là que vous pouvez faire. Là, c'est une paire de manches, mais comme je vous ai dit, allez-y ici ou là. Et regardez tout ce qu'il a fait. Et surtout, c'est surtout ici que vous allez vraiment
ne rien manquer. Même si vous passez plusieurs jours rien qu'avec lui, vous serez beaucoup plus avancé que vous si vous vous mêlez à la foule et que vous serez amené par la foule qui danse et qui chante. Et voilà. Donc, restez très très focus sur ce que vous demandez et ne vous éparpillez pas. Vous n'êtes pas touriste. Si vous êtes vraiment focalisé sur ce que vous voulez, vous allez apprendre tout dans un temps très très court. OK?